Assalamu alaikum ya Tali, bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante, pour une nouvelle révision concernant les mots de vocabulaire. Donc, dans ce nouvel exercice, nous allons te proposer de me donner les différents mots en langue arabe que je donnerai en français, mais également de produire des phrases. Alors, nous allons uniquement nous baser sur le vocabulaire des cours que nous avons fait. Donc, généralement, on suit l'ordre des textes. Allah yibarik fik. Bismillah, on va commencer avec le premier mot. Donc, je te donne le mot qu'il faudrait que tu me traduises en langue arabe, mais également la phrase que je donne, avec également beaucoup plus de complexité qu'on a vu en deuxième année. Hein. Donc, des phrases relativement longues. Donc, je te lève approximativement 10 secondes pour pouvoir réaliser la traduction de la phrase que je te donne, mais également trouver le mot. Bismillah. Donc, le premier mot, c'est la sincérité. Et on va dire tout simplement, Allah aime la sincérité. Très bien, effectivement, le terme c'est al-ikhlas. Donc tout simplement, Allahu yuhibbu al-ikhlas. Ou bien, jumla fi'liya, yuhibbu Allahu al-ikhlas. Jamil jiddan. Ensuite, nous avons le mot de groupe. D'accord? Le singulier et également le pluriel. On va dire, je suis dans ce groupe. Très bien, on va dire jama'a et jama'at. Donc tout simplement, ana fi hadhihi al jama'a. Très bien, Allah yibarik fik. Ensuite, vous avez un verbe, donc c'est le verbe égaler, équivaloir. Égaler, équivaloir. Et on va dire que par exemple, ceci équivaut à rien. On va dire effectivement le verbe sawa yusawi est tout simplement hada la yusawi shay'an. Tout simplement hada la yusawi shay'an. Jamil jiddan, barakallahu fik. Ensuite, nous allons retrouver un verbe qu'on a également appris, c'est le verbe mériter. Un verbe assez difficile à prononcer. D'où l'importance des exercices de répétition sur la plateforme. Plus vous répétez un mot, plus ce sera facile de le mémoriser et de le prononcer par la suite. On va dire par exemple que Iblis ne mérite pas le paradis. Effectivement, barakallahu fik, le verbe c'est istahaqqa yastahiqqu, et tout simplement, on va dire, selon la structure de phrase qu'on a vue, la yastahiqqu Iblisu al-jannata. Allah yibarak fik. Ensuite, nous avons le mot tiers. Et je vais dire par exemple que cette sourate équivaut au tiers du Coran. Ça, c'est facile. Très bien, c'est thuluth. Donc on va dire hadhihi sura tusawi thulutha al-Qur'an. Barakallahu fik. Ensuite, nous avons le terme de pierre, pour parler de la pierre, de la roche, hein, des cailloux. Très bien. Et nous allons dire tout simplement que cette maison est en pierre. Il y a deux manières de le dire. Tu prends celle que tu désires. Exactement. On va dire al-hajar. Donc on va dire hada baytu hajarin, mudaf mudaf ilay, ou hada al-baytu min hajar. Très bien, barakallahu fik. Ensuite, on a le mot qui est extrêmement connu pour dire sens, signification. Donc, on va dire tout simplement la phrase simple, cette signification est claire. Très bien, donc c'est le ma'na ou le jam' al-ma'ani. Donc on va dire tout simplement hadha al-ma'na wadihun. Très bien, barakallahu fik. Ensuite, tu as le mot pour dire le bois. Donc on va dire par exemple que le commerçant a acheté du bois au marché.
Donc effectivement, on va dire al-hatab. Donc on va dire tout simplement ishtara at-tajiru al-hataba fi souq ou hataban fi souq, comme tu veux. Jamil jiddan. Et enfin, l'avant-dernier mot, nous avons le terme se diviser. Et on va dire par exemple que cette longue phrase, allez, bismillah, soyons fous, hein, cette longue phrase se divise en deux petites phrases. Ah là, c'est un petit peu dur, hein. Cette longue phrase se divise en deux petites phrases. Très bien. Donc effectivement, on va dire هذه الجملة الطويلة تنقسم إلى جملتين صغيرتين. Effectivement, pour dire se divider, c'est انقسم ينقسم. Donc c'est super simple, hein? Mais il suffit simplement, comme on a dit, la langue arabe c'est des Lego. Il suffit de mettre les mots les uns après les autres et ne pas oublier l'i'rab, hein? Donc ayni ayni, d'accord, c'est important à la fin. Et enfin, le dernier verbe, se composer. On va dire par exemple que cette maison se compose de pierre et de ferraille, de fer par exemple, d'accord? Exactement. On va dire هذا البيت يتكون من حجر وحديد. Donc le verbe se composer de, c'est تكون يتكون من. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la révision des 10 premiers mots du niveau 3. Barakallahu fik, en espérant te rencontrer aux prochaines révisions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.